Salut Océane, salut Naël, ça va ou quoi les potes? Ça va ou quoi? Je vous avoue que je suis un peu fatigué ce soir. On fait aller toi nickel, je suis éclaté ce soir Océane, je t'avoue que je suis très fatigué. J'ai passé 2 jours là incroyables, je t'avoue que je suis très fatigué. Mais on est là. On est là, on est là. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi si tout est ok, hein, s'il vous plaît. Je vais couper la musique donc c'est carré. Voilà. Mais moi, modo. Oh, commence pas Naël, s'il te plaît, à me saouler, s'il te plaît, frère. J'ai pas là ce soir, je suis un peu fatigué. Donc, s'il te plaît, frérot, commence pas. Ouais, ça se voit, je sais. Désolé, je suis très très fatigué. Je vous avoue que je suis très très fatigué. L'an pro, je postule à l'université à Toulouse. Laquelle Océane exactement, tu sais ou pas? Ah putain, attendez, vous allez plus m'entendre. Attendez 2 minutes, vous allez plus m'entendre, s'il vous plaît. Ok. Ok, normalement vous êtes tout ok là, vous êtes tous carrés, vous êtes tous bien, vous êtes en place. Normalement vous êtes tous là. Quand j'ai des problèmes avec des profs trop graves, je raconte ma life Toulouse 2. C'est-à-dire Toulouse 2 Océane, ça m'aide pas ça. Ça m'aide pas beaucoup là. Ok, on va faire une petite pub tranquillou et ce sera carré. Les petits potes, on est en live. Man of Medan, voilà, il y a déjà aussi Genali qui est là. Donc venez faire un petit tour. Je pense que je vais live une heure et demie grand max. Parce que hier j'ai pas live, donc rejoignez-nous, c'est cool. Allez, go faire la story là. La petite pub basse qui va bien. Et c'est carré. Et c'est carré. Voilà, on fait ça. Insta, c'est bon, les gars. Ben, la fac, elle s'appelle Jean. Ah, je connais pas du tout. Live pas, c'était KO, tu live demain. Non, 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 je vais live vite fait ce soir, une petite heure et demie là, tranquille. Et ça devrait le faire. Ah, j'ai pas la vie, il faut que je le fasse ce soir. Les petits potes, on est en live, c'est parti. Je vous mets le lien en bio, n'hésitez pas à y aller. Petite heure et demie, je pense, une heure et demie. Donc, venez, c'est cool. Allez, on met le lien en bio, je vais lancer la game. Par contre, Naël, j'ai eu un. Elles sont pas record les deux vidéos qu'on a faites. Celle dans le goulag et l'autre, faudra qu'on les refasse. S'il te plaît, le sang. Ça m'aiderait beaucoup. Salut Océane, allez, salut Julia. Salut la bannisseuse. Bon, c'est cool, merci d'être là quand même. Vous êtes carré, vous êtes les boss. Vous êtes les boss. Vous êtes les boss, vous êtes là. Bon, allez, je pose ça, je pose mon téléphone.
On va éteindre ça parce qu'on va pas mettre de musique de toute façon pendant le live. On va prendre ça. Allez, vous êtes prêts? On lance? Let's go! Let's go! Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas attendu le passage avec le vieux cette fois. Putain, j'ai plus de trucs dans ma clope. C'est vrai qu'on s'est retrouvé direct dans le théâtre avec McFly, là, avec Fliss. Oh, mettez votre pouce bleu, hein, parce que vous êtes 4 et il n'y a que 2 pouces bleus, ça me dégoûte, frère. Je vous pensais plus fidèle que ça, quand même. Voilà, merci pour les pouces bleus, les petits potes, vous êtes les boss. Merci, vous êtes les boss. Voilà, on en était là avec Fliss, c'est bien ce que j'ai dit. Elle se retrouve dans le théâtre, je crois. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Quelle heure? Il est 22h12, 21h, je pense. Je vais aller jusqu'à 22h20, 22h30, je pense. Petite heure, 1h15 à peu près. Me dites pas comme ça qu'à chaque fois je suis long, hein, frara. Hier, j'ai pas pu. Je vais essayer de faire 1h30 ce soir. Qu'on avance dans ce jeu aussi un peu, parce que je vous avoue que quand je m'en rappelle pas du jeu, autant de Tidland je m'en rappelais un peu, donc je pouvais me attendre, tu vois, je pouvais patienter. Là, je vous avoue que c'est comme Détroit, vu que je m'en rappelle plus, j'ai très très vite envie de finir le jeu pour savoir la suite en fait. Mais faut, voilà, faut savoir profiter de l'instant présent. Et ensuite, j'ai une petite question. C'est dégueulasse. Comment dire, j'ai peut-être trouvé. Est-ce que vous êtes chaud? Après Little Hope, après Outlast que je vais faire aussi en live, je pense. Outlast, ce sera à voir. Parce que c'est pas un let's play, c'est vraiment un jeu d'horreur. Est-ce que vous êtes chaud que je fasse du GTA Online? Parce qu'en ce moment, j'ai une passion pour GTA Online qui est hors norme. Et je pense que ça peut être cool de vous la faire partager. Vous voyez ce que je vais vous dire? Alors, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de. Voilà, mais l'objectif, c'est la mala, c'est les sous. Tu vois ce que je veux te dire? Je commence petit, je finis grand. Petit, très grand, tu vois ce que je veux te dire? Donc, est-ce que vous êtes chaud si je propose du GTA Online ou est-ce que là, vous, clairement, vous allez me dire non, moi je suis pas GTA, on veut des live club pro sur FIFA. Ouais, non, FIFA, je suis à chier, donc ça, on va oublier. FIFA, je suis à chier. Mais est-ce que vous êtes chaud pour du GTA si jamais? Sur la durée, ce serait énorme. Ouais, je sais, mais. C'est chelou ça. Je connais pas donc pourquoi pas ça peut être intéressant. Bah en fait si tu veux GTA Online Océane c'est tu fais ta vie aux States en fait. Tu t'es un mec qui arrive aux States et faut que tu te construises, faut que tu fasses des petits boulots, faut que tu limite sois un peu dans la drogue, enfin voilà quoi. Mais pas ouf. Ouais, Julia ça l'intéresserait. Naël, mais toi de toute façon Naël, à part me casser les couilles, frère, c'est tout ce que tu sais faire, enculé. Tu vois, je commence à insulter déjà, frère. Putain, là. Allez, casse ta mère de là, j'ai même pas la force d'insulter ce soir, là. Oh, par contre, dans ça, on lit pas. Hein. Vas-y, on lit pas, on lit pas. Vas-y, on lit pas, nique sa mère. Wow, vas-y, c'est trop long. Je vous avoue que j'ai passé une soirée, une journée très, 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 très mouvementée. Et que du coup, je vous avoue, je me suis levé très très tôt aussi. Et du coup, je suis très très fatigué, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'on a tout vu là dans le... Ouais, allez, vas-y, je me casse, c'est bon. Go, se barrer de ce théâtre chelou. Ou les Sims. Ouais, les Sims, j'ai pensé, mais je suis pas assez patient pour jouer aux Sims. Genre, moi, dès qu'il y en a un qui va mourir, je vais péter un plomb, tu vois ce que je veux dire? Oh. Ah, elle a clairement vu la blonde en PLS. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas y aller là? Oh. Ah, ça va enlever le rideau. Et ouais, le rideau. C'est cool les Sims, mais chiant à renfermer, je pense. À renfermer, ça veut dire quoi ça aussi, hein, renfermer, j'ai pas compris là, ton C'est délire. trop bizarre. Oh ouais, tu passes de l'autre côté, tu vois un cadavre et tout, frère. Bienvenue sur le bateau, le sang.
En plus, là, mentalement, je suis très fatigué. Ah, ça doit être chiant, regarde. Ouais, je pense qu'au début, ça doit être cool et tout. Mais je pense qu'à la longue, ça doit être chiant. Je pense qu'à la longue, ça doit être chiant. Mais comme j'étais online, ça va être marrant sur, je pense, 4, 5, 6 lives en faisant 3 heures de jeu. Et après, si vraiment il n'y a pas d'objectif dans le jeu, je pense que ça peut vite vous gaver. Au fait, Océane, tu me tiendras au courant pour ce dont on a parlé tout à l'heure. Je sais pas comment qualifier ça. Oh, vous avez parlé de quoi? Vous cachez des choses, vous cachez des choses à moi? Au mec avec qui vous êtes. Ah ouais, ça va. Vas-y, ça va. Eh ben, je vous pensais pas comme ça. Ben, moi aussi, je vous cache des choses. Voilà, je m'en bats les couilles. Elle est clairement libérée là, en fait, si j'ai bien compris. Elle a clairement à sauter et se barrer à son bateau, en fait, cette grosse folle. Si j'ai bien compris là. Pourquoi elle re-rentre, cette mongole? On sait que tu caches des choses. Ah, ça va, alors si vous êtes au courant, ça va. C'est plus pareil, mais what? C'est quoi le délire là? C'est quoi ce délire? Oh, mais pourquoi je peux pas avancer? Mais what? Mais what? Je suis en train de faire mon dossier là. Demain, j'appelle le monsieur pour savoir si je peux directement passer en dernière année ou deuxième année pour pas trop redoubler. Mais ouais, TKT, je te tiens au jus. Mais pourquoi c'est plus la même pièce? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. Oh super. Ah, je vous avoue, je suis pas les filles. De toute façon, les filles, il y a des fois où vous êtes incompréhensibles. Donc bon. Donc là, si j'ai bien compris, je suis passé d'un super bateau de fou à une pièce de théâtre. Je suis allé dehors et je retombe sur une porte moisie. C'est génial. C'est génial. Ah, vraiment, c'est génial. Oh ma Bella, tellement belle. Rad. Hey, Rad. Qu'est-ce que tu... Ça va pas? Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Arrête ça! Pourquoi il s'excite, ce narvalo? J'en ai trop marre de Albi, franchement, c'est trop des vins car j'aime beaucoup cette licence. Mais s'il n'y a pas. Mais vas-y, si le prof il me déteste et que l'année pro je l'ai à 10 heures par semaine, il va me faire tuer. Déjà que je suis au bord du gouffre. T'as bien raison, Sian. Si t'es motivé par les études, fais-le. Mais fais-le en étant heureuse, quoi. Sinon, ça sert à rien. Donc, je vais tenter plus simple et pro. Et le programme est plus intéressant. Enfin, tout est aussi intéressant. Ben, vas-y, fonce, fonce. Je pense qu'il faut pas. Il y a des gens dans la vie qui aiment bien faire les études, mais si les gens se forcent à faire les études dans un endroit qu'ils n'aiment pas, ça peut que les écœurer. En revanche, s'ils font des études qu'ils aiment dans un endroit où ils aiment, où tout se passe bien, et ça peut que bien se finir pour eux. C'est pour ça que les écoles au début, c'est soit t'accroches, soit t'accroches pas. On est beaucoup à se dire non, on veut pas être école parce qu'on sait ce qu'on va faire derrière. Puis il y en a qui veulent faire l'école, mais qui sont pas forcément bien là où ils sont et qui n'ont pas les moyens de se payer autre part que là où ils doivent être, donc ils n'ont pas le choix. Et puis il y a ceux qui font ça dans. Avec envie, avec dénouement, dans un endroit qu'ils aiment en fait. Donc je trouve ça cool. Donc fonce Océane, fonce, continue les études dans un endroit mieux et t'iras loin le sang. Ok, donc là je viens de. Ok. Sauf qu'à un moment donné, je vais plus pouvoir respirer en fait. Oh putain, mais elle, on fait que la jouer dans l'eau en fait, hein, cette folasse. Hein. Là, il y avait un truc. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Merci. Comment ça pour une fois? Ah, bah lui il est mort. Hein.
Ben, en soi, j'aime l'anglais, mais quand tu vois que le prof, il me dit que je mérite 14, mais vu qu'il m'aime pas, il me met 4, ça me dégoûte de ça. Ah ouais, mais ça, ça, t'as le droit d'aller. T'as le droit de te plaindre, hein, de faire. Enfin, ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un droit. C'est un droit. Donc, t'as le droit de dire au CPE, écoutez, t'as le droit. Après, je comprends que t'aies pas forcément envie de. Wow. Je comprends que t'aies pas forcément envie de te plaindre et tout, parce que ça va être chiant et long. Mais il y a des démarches à faire, hein, pour ça. Non, sérieux, il va me tuer. Ah merde, c'était un méchant, j'aurais dû. Putain, je suis trop con. J'aurais dû le noyer, j'ai pas voulu le noyer, je suis trop con. Clairement, trouve-toi un environnement de travail propice à ton travail et ton développement perso. Ben j'ai beau me plaindre soi-disant je suis casse-couille en classe, car apparemment je parle à ma pote en visio et que du coup je. Ouais. Ça sert à rien, casse-toi alors, t'as raison, reste pas là. Reste pas avec des gens comme ça. Ça en vaut pas la peine. Est-ce que ça va? Merci. C'était moi une. Il faut qu'on se tire. Ce type est Putain, je toujours suis dans quoi? fatigué ce soir, ça se voit, hein? Je suis éclaté. Mais. Tue-le, ma mère, tue-le, vite. C'est quoi ça? Donc je postule à Toulouse et je verrai s'il m'accepte. Je vais peut-être postuler à Montpellier, mais le taux de réussite est meilleur à Toulouse, donc je crois. Surprise, elle existe Ouais, encore. mais sur ça j'ai une morale à te faire, c'est que à Toulouse on a une ré... comme le lycée des Zénith à Toulouse de Tellerie, on a une réputation de taux de réussite qui est élevé. Mais le truc c'est qu'on a des usines. En fait les lycées c'est les universités pardon c'est des usines. Par exemple dans une université tu vas avoir je sais pas moi je sais qu'au Zénith de Toulouse au lycée dans le lycée hôtelier à Toulouse t'as genre 800 élèves. Tandis que si tu vas dans un autre lycée qui a moins de taux de réussite, mais qui est dans une autre ville, et qui a moins d'élèves, par exemple 300 ou 400, c'est une plus petite communauté, donc c'est mieux. C'est pour ça que j'ai pas fait mon bac pro au lycée hôtelier à Toulouse, j'aurais pu le faire, mais je voulais pas parce que c'est des usines, les profs, tu sais, ils sont moins avec toi, les trucs à petite comité, c'est mieux, je trouve. C'était Après, c'est mon point de vue. super. Ouais, mais T'es c'est partout ça. sérieux? Ouais, voilà, C'est bon, ben vraiment après, comme cool. tu veux. Moi, je sais que dans la Nouvelle restauration, j'ai eu de la famille, chance. famille J'aurais pu aller au ouverte, meilleur lycée nouveau cercle. de France, enfin, le Mais deuxième meilleur lycée de franchement, France. j'ai pas voulu Mais j'ai mettre pas voulu ça parce que j'ai eu peur de. Voilà quoi. pour Des être super répercussions. Au avec final, j'ai pas eu mon quelqu'un, bac, mais que ce soit dans l'un ou l'autre, pour se mais. donner à fond. Vous voyez le délire? Donc, si vous voulez qu'on arrête là, pas de soucis, Pareil, mon pays sont direct. 800. Ouais, bah. Ces mecs, c'est des gros malades, Alors, ils va au bossent meilleur dans alors. le bateau. Albi, c'est cool, car on a été 100, mais bon, je veux pas rester à Albi. Il y a un truc. Ouais, mais bon, si tu dis que vous étiez 100 et que ça se passe pas bien, c'est que. Ah, il y a un cadre, non? Ouais. Non, le truc pour repartir, il va se péter, putain.
Et pourquoi t'es autant crevé? Moi, parce que hier, en gros, j'ai été aider une collègue à moi très tard le soir. Puis j'ai passé la nuit là-bas. Et puis ce matin, on s'est levé très tôt. Et puis après, j'ai dû l'aider encore le matin pour faire des trucs avec sa famille et tout. Et voilà. J'ai dû dormir peut-être 3 heures. Je suis levé à 9h ce matin, je savais plus où j'habitais, enfin bref. J'ai bien mangé toute la journée là, je vous avoue que je suis très fatigué, j'ai très hâte d'aller dormir. Mais j'avais aussi hâte de jouer donc. Faut se forcer, enfin je pas faut se forcer, mais vu que j'ai pas stream hier, fallait que je me fasse pardonner ce soir. La guerre est finie, c'est des foutaises. Ouais d'accord. Les mecs étaient au bout de leur vie quoi. En tout cas, merci Julia, merci Naël, merci Océane encore. Vous êtes les boss, toujours les mêmes. Ça change pas, ça bouge pas, on est là. Alors, par où faut que j'aille maintenant? Vas-y, je trace ma race. C'est juste dans ma tête. Faut que Je je trouve trace. les autres. Je trace Tu ma sais pas ce race. que c'est? Je les ai pas le matin là. C'est bon. Je suis plus fort que ça. Là, il est clairement en train de péter un plomb, on est d'accord? Quoi? Il est en train de péter un plomb là. Déjà, pourquoi il est pieds nus lui? C'est chelou. C'est où qu'il faut aller là? Parce que je trouve pas où il faut aller en fait, là-bas. Y a une porte là, les gars. Ouais, je devrais vraiment regarder derrière cette porte, pas vrai? C'est sûr. Ou peut-être pas. Il devient fou. C'est clair. Comme par hasard. Comment je fais pour ouvrir cette porte à la con? Faut que je trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ah bon, on va aller prendre le truc de la cheminée là. Le truc qui avec lequel on a brûlé les trucs là, ça là, voilà, ça là. Avec ça, je devrais pouvoir réussir. Ce truc passe 6 mois. Parfait pour la porte. Ben voilà. On est monstrueux, en plus de ça, on arrive à résoudre les énigmes et tout, c'est incroyable. Carrément incroyable. Oh mais c'est dur! Il est en train de devenir fou, c'est terrible pour lui. Il est en train de péter un plomb, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Elle est ah, j'allais dire elle est tarpin. J'allais dire elle est tarpin bonne, même pas. Si je perds, je vais le perdre, je le sais. Et ouais, Thomas, Pikachu, tu es tant fatigué. Je te retourne la question, Anaïs. Je crois bien que c'est ta faute, mais je suis pas sûr. Putain, je suis pas concentré, regardez, je rate tout. C'est dégueulasse ce truc, hein. C'est vraiment dégueulasse.
ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Et elle rigole en plus. Oh mais il me lâche pas ce bordel là. Mais je lui arrache la tête moi. Oh là là, je suis un monstre. Même quand je suis fatigué, je suis un putain de monstre. Mais ça me lâche pas ce bordel là. Faut sauter frérot. Faut sauter frérot. Vite frérot, vite. Moi je saute hein. Nique sa mère hein. Je lui arrache la tête. Ou alors je lui arrache la tête. C'est dégueulasse. Ah je sens que je vais crever là, je sais pas pourquoi. Je vais crever, c'est terrible. Mais regardez comment c'est dégueulasse ce truc là. C'est horrible. Sauter, confrontation. Vas-y, je saute, nique sa mère, Allah Wakba. Comme on dit, Allah Wakba. Ah ouais, je me suis tué, merde. Oh non, je suis trop con. Oh non, je me suis tué comme un fils de pute. Eh ouais, mais je suis fatigué, j'ai pas réfléchi, putain. My bad, désolé. De toute façon, à la base, je voulais tous les soulever. Je m'en bats les couilles, frère. Un coup oui, un coup non, frère, ça change. Oh, mais y'a rien qui va, en fait. C'est le début du jeu, y'a rien qui va. Ouais, toujours perso, dégueulasse. Oh, toujours des persos dégueulasses. Avec... dégueulasse. Ah ouais, ah, j'ai compris le dégueulasse. Et ouais, mais je regarde pas aussi le compte sa race. Ouais, j'ai suivi Julia, je crois. Enfin, je crois avoir suivi, mais vu que je suis fatigué, je sais pas sûr en fait. Putain, je suis deg, j'en ai tué un déjà. J'ai envie de crever, voilà. Envie de mourir. Ça veut dire quoi? Tout est terminé. Courir, sauter, courir, sauter. On saute, on saute, on saute, on saute. On se casse. Merde. Mais non! Mais non! J'ai appuyé, frérot, voilà. Quoi? Oh, la blonde, elle va crever, je pense. Je pense que la blonde, elle va crever. Voilà les hommes. Oh putain, c'est pas vrai. Il est parti. Je l'ai niqué un peu. Voilà Fliss. Fliss, c'est le S. Ouais, c'est moi. Allez, on bouge. Putain, faut qu'on aille se mettre à la... Donc là, les quatre, ils sont réunis. Il manque que l'autre, mais l'autre, il est décédé. Putain, j'en ai déjà perdu un, je suis deg. Bêtement, en plus, je croyais que c'était de l'eau qu'il y avait. Eh ouais. Putain, je suis trop con. Désolé, le sang, voilà. Bah, après, c'était un fils de pute, un peu aussi. Puis il devenait fou, surtout, donc vas-y. Déjà, les quatre sont réunis, ça c'est bien. Les quatre sont réunis, ça c'est tarpin cool. Tout va bien. Combien de temps là? Ça fait une demi-heure. C'est long, ouais, même là c'est long. On dirait que je suis en cours, frère. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais, le sang. Putain, et ouais, my bad. Je vais niquer son frère. Je suis trop deg. Je suis trop deg. Je suis beaucoup trop deg.
Ouais, putain, je suis trop con, je l'ai perdu beaucoup trop tôt. Le truc, c'est que là, j'ai pas beaucoup de persos, hein. Dans Until Dawn, on est 8, là, j'en ai que 5. Donc à tout moment, le jeu, il peut se finir très vite, comme ça peut être long. On peut pas rester là. Mais la durée de jeu, je crois, c'est 6 ou 7 heures, je crois, en tout. Bah ouais, faire son deuil, frérot. Logique. Oh, je vais m'arrêter là, je pense que je suis KO. Oh, bonjour. On dirait que les choses ont pris une Je pense que tournure je vais m'arrêter plus après ça, les petits potes. habituelle. Vous ne trouvez pas? Ah, une victime de plus. Parce que je suis éclaté. Je vous cache pas que je suis éclaté. J'ai pas envie de me forcer en fait. Et notre ami Conrad, il a fait le grand saut dans la. Moi, je sens tellement, il est crevé. Il va nous faire de la D. Après, il va rager. Ouais, je suis vraiment désolé. J'ai pas envie. En fait, vous savez que j'ai envie de jouer. Vous savez que j'ai envie de jouer, mais je suis éclaté. Ça se voit. Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? J'ai pas le temps de réfléchir à rien. Ça viendra, j'espère. Mais demain, je fais 2 heures, si vous voulez. Je vous jure, demain, je fais 2 heures. Les navires n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts. J'avoue que je vais rager après. Mais comment ça, il y a eu beaucoup de morts? J'en ai perdu qu'un. Casse pas les couilles, fils de pute. Ça y est, il me fait rager déjà, lui. Petit joueur. Ah, nice, tu fais ça? J'ai besoin d'aide. On va être curieux, nous. C'est à cause de toi, Anaïs, en plus, ça. C'est à cause de toi. Comment tourner ça? Certaines des puissances en jeu sont un peu plus scientifiques, voire, irais-je jusqu'à dire. Petit joueur, moi. Vous voyez. Tu en as perdu deux. Ben non, j'ai perdu que. Non, j'ai perdu que Conrad. Il y a le frère. Ah oui, le mec, le salopard, là. Ouais, mais lui, je m'en bats les couilles de lui, je jouais pas pour lui. Quelque chose. Je m'en fous. Que pour chaque objet et pour chaque personne. Faut assumer. Il faut voir au-delà des apparences. Assumer quoi, Anaïs? J'assume pas la vie de ma mère, je m'en bats les couilles, j'assume pas. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis? Et comment vous pourriez éviter des. Ouais, mais plus tard, frérot, plus tard. Allez, retournez-y. À plus tard. Ouais, bisous frérot, bisous. Ouais, après je vais rager, je vais perdre des persos, ça va m'énerver, je le sais. Je le sais, je le sais. Comment ça, petit joueur? Vas-y, tu sais quoi? Ben ouais, voilà, je me soumets, je suis un petit joueur, j'en ai rien à foutre. Même assis, je suis fatigué. Même assis, je suis mort. Putain, pourtant j'ai envie de jouer les contre sa mère, hein. J'ai envie de jouer pourtant. Allez, déjà, allez, vas-y, allez, on continue pour Anaïs. Allez, ça y est, elle m'a chauffé, frère. Allez, on continue pour Anaïs. Non, allez, ça y est. Est forcément maudit. C'est la seule explication logique pour toutes les horreurs qui se passent ici. Allez, go, continue pour Anaïs. Essayons de rester rationnels, ok? Sérieux, qu'est-ce Faut que je me concentre, alors. Quelqu'un l'a forcément vu avant. Moi, je l'ai vu. Et, enfin, toi aussi, tu l'as vu, Fliss, non? Oui, mais l'espace d'une seconde. Il est parti avant que je le rattrape. Parti ou ça? Non, ça n'a aucun sens. On aurait dû rester ensemble. Il fallait pas qu'on se sépare. Ce serait jamais arrivé. Il a sauté du haut de la cheminée. Ou il est tombé, j'en sais rien, mais il flippait, il était mort de trouille. Il a sauté. Il a sauté. Ben ouais, normal, j'étais mort de toute façon. Je me sens pas bien. Elle va vomir. Faut arrêter de prendre des boules, le sang. Brad, t'as carrément pété un câble. T'as même failli me tuer. Quoi? Mais de quoi tu... Mais j'ai pas... Non, arrête, c'est n'importe quoi. Les trucs que j'ai vus... Il est peur chez lui, hein. On aurait dit de vieux soldats. C'était des cadavres, ils étaient morts. Et après, ils l'étaient plus et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La bah... tête d'Alex... C'était un cauchemar. Julia, je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein? Oui, je ouais. sais, mais... Tout ça peut pas... Ah, ce que je me disais, il y avait un zombie qui avait la même tête que ce mec, j'avais raison. Un truc ou deux. Je suis éclaté, mais je suis quand même. Un délire. Ça peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Qu'est-ce qui est bien réel? C'est un vaisseau fantôme? Où est l'or? Mais je vais rien dire, tu voulais que je dise quoi?
Ah, ou alors on peut dire ça, comme on montre qu'on a peur. Des blocs ou on est sur un vaisseau Pourquoi fantôme. Y a mon prénom là? Ouais, c'est ce que j'allais Comment dire. Ça y a ton prénom? Comment ça y a ton prénom? Bah ouais, il s'appelle Julia. Je sais qu'on n'est pas les premiers à voir des trucs bizarres ici. Apparemment, les gardes étaient terrifiés par quelque chose qu'ils avaient vu dans les cales. Où est l'équipage? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va faire la meuf. Je suis curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Ah bah il était hanté, ma pote. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Où est l'or? Il est bizarre cet endroit. Pourquoi toujours où est l'or? Je comprends pas en fait. Ça fait quoi? Ça fait michto? Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue. Non, bah maintenant tu le sais, Julia. J'aime pas ça du tout. J'ai du mal à savoir ce qui est réel ou non. Mais pourquoi toujours confusion où est l'or? Vas-y, je vais le faire, nique sa mère. Quelqu'un a vu l'or ou autre chose? En fait, l'or de Mandchourie, c'est pas du tout de l'or. C'est un produit chimique et il s'est répandu dans la cale numéro 2. Ouais, et quelque chose me dit que c'est pas vraiment ce que nos amis les pêcheurs espéraient eux non plus. Ils vont être trop contents. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Ah, la question où est l'or, fallait vraiment la poser en fait. On risque pas d'aller loin. Merci à celui qui a rejoint le live. Putain, vous êtes les petits boss. Vous êtes les petits boss, les amis avec un Z, toujours, on connaît. Ah oui! Radio quelque part. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, code créateur d'Arclow, brrr, et on continue. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Oh ma belle, tellement belle. Putain, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je suis oh. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, oh, le comte de Saras? Ouais, je vais insulter, ouais. En termes savants, on est carrément foutu. Là, là, ah ouais, mais ce qui... En fait, ce qui fait chier, c'est que j'ai pas envie de calculer tous les points blancs et tout, mais... C'est pas bien faire le jeu, du coup. Faut que je me... Ah, c'est la même balle qu'il y avait dans le... Dans l'avion. Ça paraît dingue, mais c'est peut-être César. T'es amoureux? Je sais pas, j'en sais rien, peut-être. Je sais pas, je... J'ai la tête ailleurs en ce moment. Adieu la monétisation. Ah ouais, nique sa mère la monétisation. De toute façon, j'ai même pas été reconnu par YouTube que déjà, il me nique mes vidéos, ces fils de pute, déjà. Donc frère, à un moment donné, y a plus rien qui va, frérot. Hein. C'est quoi ça? Pourquoi y a un bateau en PLS comme ça? Cool. Dommage non. Soit troué comme du gruyère. Mais il est con ou quoi? Mais t'es heureusement, frère. Et... J'ai même plus envie de l'insulter. Toujours, j'ai même pas envie de l'insulter, frère. Vous savez que vraiment, sur genre tous mes directs, il y a que deux vidéos qui ont été gardées entre guillemets à être monétisées. Toutes les autres, il y a marqué plainte pour vulgarité et tout. Genre, je me suis fait chier dessus par YouTube. Vraiment, je suis beaucoup trop deg. Après, c'est vrai que j'insulte hein. Les darons pour rien, mais quand même, putain, les gars. Ça fait chier, je suis même pas reconnu que déjà il me nique. Par là. Ah, tu sais pas? Hey, je sais pas. Contre un petit coup de main. Je sais pas, Anaïs. Tu me troubles en fait, c'est pour ça que je sais pas. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Attendez, parce que je sens qu'il va falloir que je fasse un truc. Je vais t'aider. C'était quoi ce vieux tu sais pas avec ce point d'interrogation, Anaïs? Là, on peut savoir ou pas, s'il te plaît? Parce que je sens que j'ai fait une connerie, en fait. Tu sais, ou que j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. N'est-ce pas, Anaïs? Je suis un enculé. Je suis fatigué, putain. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Allez, vas-y, monte, frérot. Oh, il fait quoi, ton frère Anaïs? Qui vient de me voir mon live un peu. Ça, il m'appelle José et tout, c'est carré. Je sais pas où il faut aller. D'accord.
T'as vu Anaïs commenter? Ça va. Mais c'est là que j'ai poursuivi Conrad, c'est ça. Ah ouais, putain, mais ça m'énerve. Faut aller où là? MDR, ben, si t'es amoureux, non, là tu dis tu sais pas. Ah! Si, ça je le sais, ça. Moi aussi je sais, t'inquiète pas, Anaïs. Moi aussi je sais. Putain, mais je galère tellement que je suis fatigué, c'est incroyable. Ça fait combien de temps? 40 minutes? Vas-y, je pense 20 minutes, j'arrête. Allez, salut. Comment ça, allez, salut? Bah, bisous, Julia. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais je finis dans 10 minutes. Pourquoi tu te... Bah, vas-y, je viendrai te voir après. Tu vas chez Mémé, là? Vas-y, je viens te voir, je viens te voir. Dès que j'ai fini, je viens te voir, c'est bon? Vas-y, Attal. Vous allez vous coucher maintenant, là? Vas-y, vas-y, je viens te voir, je viens te voir. Vas-y, quand j'ai fini, je viens te voir, vas-y. Il joue à son foot là en silencieux MDR. On dirait il fait rien. Ah ouais, Football Manager, il m'a régalé avec ça, putain. C'est un botch. En plus, il est entraîneur de Rennes. Ah, Johan de Rennes. MDR, la même heure, je préfère entraîner Tours, frère, ou Chambéry que Rennes, frère. Bah après, il joue à Football Manager. Moi, j'y joue pas. Vous avez trouvé la radio? Donc, je peux pas. Je peux pas le critiquer parce que moi je sais pas jouer. C'est quoi ce papier de mort là? Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils ont pas pu trouver leur position. Ah ouais, c'est les mecs de la radio qui ont marqué ça, je pense. A plus tard, Julia, mais je vais pas tarder aussi. Il y a un tableau là. Là, il y a un tableau là. Il y a un problème là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. Grave. J'ai l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, mais sur l'océan. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment je trouve aucune info, je trouve rien, frère. Ah ouais, bah ouais, le mec de la radio, c'est le dernier mec qu'on a vu. J'attends ton message. Ouais, ça marche, Julia. Ouais, c'est dégueu. Putain, c'est le dernier mec qu'on a vu à la fin de l'histoire, au début, ça. Émission d'appel de détresse, contact radio intermittent, tentative d'SOS en morse, nombreusement. D'équipage mort. Ouais, c'est juste avant qu'il crève. Je meurs. Ouais, c'est juste. C'est celui qu'on a vu avant que l'histoire ait commencé. C'est juste celui qu'on a vu après que l'histoire ait commencé. J'ai pas répété ça trois fois là. C'est chiant. Vas-y, paie à ton âme, frérot. Mais là, du coup, les radios. Ben ouais, voilà, elles devraient marcher les radios là. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh. On va dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Il y a du courant. Je vais la tester. Ah, ça fonctionne. C'est une station de nom. Une fréquence militaire. Je trouve rien. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent! Faut pas paniquer, frérot. Instruction. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. Oh non! Sérieux?
On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux. Allô ? Allô ? Quelqu'un me reçoit ? Hey, ah ouais, mais si j'aurais paniqué, ça aurait été la merde. Putain, comme par hasard, je trouve la radio, ça marche pas. Hé ! Oh ! Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici, au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Je m'en charge. Je veux pas te perdre sur ce sale rafio. Je viens aussi. Attends, quoi ? Oh mais ça y est, ça veut faire les super-héros, frère. Moi je fais la grosse tarlouse, je bouge pas d'ici, j'attends, frère. Je m'en bats les couilles, frère, de faire le super-héros à ce moment-là. Je vous le dis de suite. Ils font les malins, moi j'y vais, toi tu vas, frérot. Si vous allez tous, crever, frère, en fait. Donc ça sert à rien. C'est pas le but. Tu vois, voilà, déjà. Voilà, c'est bien, putain, mais vraiment, mais... J'ai envie de d'éclater la manette, la télé, le micro, l'ordi. J'ai envie de tout casser, frère. Ils sont débiles, frère, à vouloir faire les super-héros, putain. Alors, toujours en vie. Bah oui, je suis toujours en vie, putain, mais... ça va, chut. Je vais bien. Vous voyez un truc ? Je sais pas du tout où on est. J'attends près de la radio. Hé. Hey. Oh ma belle, tellement belle. Allez, feu. On dirait les niveaux inférieurs du navire. Ça fait quoi? Ça fait 50 minutes qu'on live. Vas-y, je vais arrêter là, c'est hein, la petit pote. Toutes les heures? Bah, moi je pensais. C'est quoi? Je vais m'arrêter sur ça. Je vais m'arrêter sur ça, je pense. Je vais vous laisser les potes, hein. Combien de temps on a fait? 50 minutes quand même, c'est pas mal. C'est pas mal 50 minutes. Je préfère arrêter là parce que si je dois aller jusqu'à l'autre chapitre après derrière, ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Putain, j'ai encore pas fait l'intro YouTube, je suis trop con. Je poste la rediff comme ça, de toute façon ça fait 50 minutes donc c'est pas grave. Les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez votre meilleur pouce bleu et puis parlez, hein. Faites des débats, de toute façon, dans les commentaires, on est là. Merci Anaïs. Merci Océane d'être passé, à plus tard, Océane. Ben, d'ailleurs, il faut que je t'envoie les trucs de ma chaîne aussi, Océane. Merci Julia, merci Naël, merci à ceux qui sont passés, qui n'ont pas parlé. Je vous fais tous des gros bisous et demain je la livrerai plus tôt pour faire plus longtemps. Voilà, reposez-vous bien, je vous fais tous des gros bisous et à demain.